Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Comme la dernière fois, c'est un peu rhétorique. J'imagine que vous êtes dans la même humeur que moi. Autant vous dire que faire cette vidéo cette semaine a été compliqué. Tellement l'espèce de carcan, de marasme, de low énergie autour de moi m'affecte. Je pensais pas autant. Pourtant, j'essaie de faire de la méditation, j'essaie de travailler sur ma respiration, j'essaie de prendre du recul et il n'y a rien à faire. C'est compliqué, vous savez, je pense que je suis un peu dans la phase de l'écrivain et de la page blanche. Bon, ça a été compliqué. Je voulais faire l'actualité, un sujet d'actualité, mais en vérité, j'y arrive pas parce que maintenant, dès qu'on ouvre ces réseaux sociaux ou dès qu'on essaie de regarder des choses liées à l'actualité, on se prend tellement des salves d'images abominables que je me suis mis un petit peu au vert. Honnêtement, je vais sur mon Instagram pour vous partager des choses, mais dans la limite de ce que je suis capable de faire en ce moment. Donc je suis désolée, mais aujourd'hui ce ne sera pas un sujet d'actualité au cœur du moment, au cœur de ce qui se passe, parce que ben, je n'y arrive pas. Par contre, c'est un sujet que je veux développer avec vous depuis très longtemps, qui m'intéresse et qui, par la force des choses, s'est retrouvé connecté avec une de mes lectures que je fais en ce moment, justement pour un petit peu m'évader. Et je voulais partager ça avec vous. Vous savez combien je crois aux synchronicités. Celle-là en est un bel exemple. Et vous allez voir, l'histoire est dingue. Donc on y va sans tarder, parce que j'espère que ça ne va pas être non plus trop long et que vous ne serez pas trop déçus par mon choix de sujet. Dulce est une petite ville située près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et elle semble être un endroit ordinaire à première vue. Mais certaines personnes pensent que sous la ville se trouve une base souterraine cachée absolument colossale. Selon les théoriciens du complot, la base souterraine de Dulce est un complexe de 7 étages qui abriterait des hybrides humains-animaux, des hybrides humains-aliens et des technologies extrêmement avancées. La ville de Dulce était, quant à elle, située dans la réserve Apache de Jicarilla et elle compte environ 900 habitants, pour la plupart des Amérindiens. La base secrète présumée serait l'une des plus grandes et des plus secrètes au monde, avec plusieurs niveaux et plusieurs types d'installations. Les rumeurs font état d'activités telles que le génie génétique, le contrôle mental, le clonage et les voyages interdimensionnels. Je sais, ça ressemble à un film de science-fiction, pourtant, il y a de quoi se poser de vraies questions. Et c'est maintenant, les amis, vous allez voir. C'est incroyable. La base de Dulce n'est pas aussi connue que la zone 51, le célèbre site militaire du Nevada qui est pas très loin de chez moi, où de nombreuses personnes pensent que les extraterrestres et les ovnis sont stockés et étudiés. Elle n'est pas non plus aussi célèbre que le hangar 18, ce qui est le hangar 18 si vous voulez, c'est l'emplacement supposé des corps d'extraterrestres et des débris de l'incident de Roswell sur la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Encore une fois, l'Ohio, celle-là, je l'avais oubliée dans ma vidéo de dimanche dernier. Encore une fois, l'Ohio, il y a quand même pas mal de trucs chelous. Mais la base de Dulce est sans doute plus intrigante et plus inquiétante que ces autres sites, car elle implique aussi des humains qui seraient impliqués dans de sombres expériences et des projets, vous allez le voir, assez démentiels. Selon How Stuff Works, les premières affirmations sur l'existence de la base remontent aux années 1930. Mais les rumeurs d'intervention extraterrestre dans la région ont commencé à prendre de l'ampleur dans les années 1970, lorsqu'un ancien policier de l'État du Nouveau-Mexique, Gab Valdez, a documenté des mutilations inexpliquées de bétail dans la région. Mutilations
qui n'ont pas cessé. Depuis, rappelez-vous, il y en a encore de nos jours, j'en ai fait, je crois, 2 vidéos. J'essaierai de vous les mettre dans la barre de description de celle-ci, parce que c'est quand même un phénomène qui reste inexpliqué et qui remonte à tellement loin que ça ne peut pas être anodin. Valdés a fait d'autres déclarations dans d'autres interviews, y compris des observations de vaisseaux spatiaux sophistiqués, noirs et silencieux. Alors là, pour le coup, petite parenthèse, les vaisseaux dans les années 1970, etc., aujourd'hui, ça peut s'expliquer par les avions sophistiqués, les avions militaires hyper sophistiqués, donc qui ne cachent plus l'existence, mais qui, à l'époque, effectivement, les tests se faisaient la nuit, etc., etc. Ceux qui ont suivi mon conseil et qui ont regardé la série Blue Book Project, vous savez de quoi je parle. Mais par contre, chose inexplicable, il a parlé de la découverte d'un fœtus à l'intérieur d'une vache morte. Mais pas d'un fœtus de veau, hein, vous en doutez bien, sinon l'information n'a aucune, n'est absolument pas pertinente. Et vous devez certainement me regarder avec des gros yeux ronds derrière votre écran en disant oui. Et donc, non, un fœtus qui ressemblait à un fœtus humain, à un singe et à une grenouille. Selon Valdés, ce fœtus n'avait pas d'os dans la tête. Sa tête était pleine d'eau. Tout de suite, Valdés a pensé, compte tenu de tous les indices et autres témoignages qu'il récoltait depuis quelques années, que les vaches couvaient des bébés extraterrestres. Oui, je sais, le monsieur va vite en besogne. Les conclusions sont tirées un petit peu hâtivement pour moi. Et après, vous allez voir, j'ai fait une analyse que je vais partager avec vous par rapport justement à ce fait que maintenant, dès qu'on parle de la base de Dulce ou de la zone 51 ou whatever, c'est toujours l'hypothèse extraterrestre qui est balancée d'entrée de jeu, et j'ai l'impression que c'est un petit peu pour noyer le poisson, mais je vais vous expliquer. Pas pris forcément au sérieux d'entrée de jeu, c'est surtout avec l'intervention de Paul Benevich, un homme d'affaires titulaire d'un doctorat en physique et passionné d'ufologie, que le feu a véritablement été mis aux poutres. Il a affirmé avoir reçu des messages d'un dénonciateur ayant travaillé à la base et révélé son existence et ses horreurs. Bien sûr, les affirmations de Benevich ont ensuite été démenties par d'autres chercheurs et agents du gouvernement, vous vous en doutez. Rapidement, le monsieur a été étiqueté complotiste, barjot, malade. Bon, les mêmes ficelles, je ne vais pas vous le refaire. Ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps ont bien compris comment les choses fonctionnaient. Néanmoins, une chose reste indéniable. L'histoire a commencé à prendre forme en 1979 lorsque les forces armées américaines ont entamé le projet de construction d'une base militaire souterraine. Philip Schneider, l'un des ingénieurs concepteurs, a signalé que quelque chose de louche se passait sous terre. La base militaire s'agrandissait rapidement et l'accès à certaines zones était limité. Les bérets verts et les forces spéciales maintenaient ces zones sous étroite surveillance. Si on met de côté les théories les plus répandues, je vous le disais un peu plus tôt, selon moi, mises en avant justement pour décrédibiliser toute tentative de curiosité, hein, et qui tournent en boucle autour du fait qu'il s'agirait d'une base mixte, entre, qui serait partagée cette base entre agents de la CIA et aliens en visite et installés sur Terre, il y a de nombreux témoignages qui vont dans un sens qui, personnellement, m'a beaucoup interpellée et que je voulais partager avec vous. Parce que je sais, bon nombre de personnes ont déjà traité la base de Dulce. Je sais exactement dans quels termes. Vous savez que je n'aime pas faire des sujets qui sont vus et revus, ou que si je le fais, c'est parce que j'ai, de mon côté, une autre théorie, ou en tout cas que ça m'a fait penser à d'autres éléments et que j'avais envie de partager avec vous. Ne vous attendez pas à ce que j'utilise les mêmes lieux communs que dans les vidéos que vous avez très certainement peut-être déjà regardées. Alors donc, en effet, certaines rumeurs avancent qu'on y mènerait toutes sortes d'expériences telles que le clonage, l'étude de l'aura humain, des applications avancées de contrôle mental, la création d'hybrides animal-humain et des programmes d'enlèvement d'êtres humains pour toutes sortes d'expériences génétiques. Ces bases souterraines, ces systèmes de tunnels et leurs technologies ont été décrites par d'anciens soldats, des esclaves du contrôle mental et des personnages tels que ce monsieur Phil Schneider qui a participé à leur construction.
Schneider, il faut le savoir, est le fils d'un commandant allemand de la Seconde Guerre mondiale, Otto Oskar Schneider. Son père a été capturé par les Américains et emmené aux États-Unis pour travailler pour les forces secrètes du gouvernement. Comme dans la plupart des cas, les enfants des agents des Illuminati sont élevés pour travailler pour les mêmes maîtres. Et ça n'a pas loupé dans le cas de Phil Schneider, qui a été chargé, dans le sillage de son papa, de construire des sections de nombreux complexes souterrains aux États-Unis. Alors, je sais que le sujet sur cette base, comme je vous le disais, forcément vu qu'il a été abordé par de nombreux youtubeurs, est souvent focus sur les histoires d'extraterrestres liées à cette base, en particulier la théorie des reptiliens. Donc, je vous le répète, d'entrée de jeu, personnellement, j'ai fait l'impasse dans cette vidéo sur ce pan de l'histoire pour me concentrer sur ce que l'on souhaite réellement nous cacher. Ces bases sont ultra secrètes, mais indiscutables étant donné qu'elles consomment environ 25% du PIB américain chaque année. Difficile donc de nier l'existence aux États-Unis, dans de nombreux endroits et dans de nombreux États, de base souterraine. Et comme on ne peut donc pas les nier, quel est le meilleur moyen pour que la plupart des gens ne se posent pas plus de questions que ça? C'est de raconter des histoires fantastiques à base d'extraterrestres pour tuer, je vous le disais plus tôt, toute velléité de réflexion un peu plus élaborée. Parce qu'effectivement, les histoires, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, je dis que, étant donné que ça circule aussi facilement, sans censure, qu'à droite et gauche, il y a des gens qui peuvent s'exprimer sur les reptiliens, sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils n'ont pas vu, sur le fait que les animaux mutilés, c'est dû à des extraterrestres, c'est que forcément, d'accord, on est d'accord, à partir du moment où la censure, elle n'est pas active quelque part, c'est que ça sert leurs intérêts. Parce que sinon, on l'a vu à de nombreuses reprises, ils coupent les verrous, on ne peut plus passer l'info, il faut trouver des langages alternatifs, et donc ce n'est pas le cas. Parce que oui, vous allez voir, moi, selon moi, la théorie la plus effrayante qui tourne autour de cette base, c'est celle qui, en fait, veut que cette base utiliserait des hommes et des femmes, et des enfants bien évidemment, comme cobayes pour diverses expériences. Il faut avouer que si on laisse parler les gens qui parlent de reptiliens, d'extraterrestres et d'activités extraterrestres, etc., ça explique les disparitions d'enfants dans l'absolu. Oui, ceux qui disent que des enfants ont disparu, c'est ceux qui disent aussi qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, donc forcément, vous comprenez bien que ça n'a pas de poids. L'histoire des animaux qui continue pourtant, et qu'il y en a encore qui te disent « mais non, c'est des animaux qui meurent, c'est chirurgical », enfin, je vous l'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Là, c'est pareil, il y a toujours des bonnes personnes pour dire « oui, vous allez nous dire que c'est des extraterrestres ». Non, c'est un loup, mais qui a une formation de chirurgien esthétique et qui fait du meilleur boulot que le meilleur des chirurgiens de Los Angeles. Mais bon, bref, je m'égare. Il faut savoir que l'équipement et la technologie de ces bases militaires secrètes sont à la pointe du progrès, tellement que certains avancent qu'ils y ont créé des humanoïdes à partir d'ADN d'animal et humain. Cette base est extrêmement surveillée, voire même c'est une des bases les plus surveillées. Plus d'une centaine de sorties secrètes et plus de 3000 caméras de surveillance assurent la sécurité de la zone. Et ça, bien évidemment, c'est des informations très certainement qui sont à moitié correctes, puisqu'il doit y avoir plein de choses, il y a ce qui est officiel, enfin vous savez. La base est dirigée par un conseil. Les relations avec la CIA sont toujours maintenues. Selon les derniers témoignages, en tout cas selon les gens qui ont témoigné, qui ont pu témoigner, il y aurait 7 étages. Toutes les personnes qui rentrent dans la base sont entièrement nues à l'arrivée et pesées. Un code est donné et tout changement de poids déclencherait une alarme. Au 4e niveau, les études et recherches sont basées sur l'aura humaine, l'hypnose et la télépathie. Au 6e niveau, on trouve des laboratoires d'expérimentation. Selon un chercheur qui a travaillé dans ces laboratoires, les résultats des expériences sont absolument effrayants. Le niveau 6 est aussi appelé le Nightmare Hall. Donc comprenez le hall du cauchemar.
à cause du laboratoire génétique. Les rapports des travailleurs qui ont accepté de témoigner sont hallucinants, les amis. Ils racontent qu'ils ont assisté à des expériences innommables. Ils ont vu des personnes avec plus de pieds, d'autres mi-hommes, mi-poissons, moitié de poulpe, mais aussi des personnes reptiliennes avec des mains de personnes qui pleurent comme des bébés. Ils ont vu aussi un mélange de lézards, d'humains, de phoques, d'oiseaux et de souris, tous gardés dans des cages. Ils parlent d'humanoïdes ailés, de créatures grotesques comme des chauves-souris, d'un mètre à plus de 2 mètres de haut, mais aussi de gargouilles et encore une fois d'êtres reptiliens. Alors, vous l'avez compris, tout ça issu de manipulations génétiques. Et j'ai trouvé qu'en plus, et compte tenu de là où ça se passe, là où sont les bases, etc., cela peut faire sens et que tout ceci pourrait expliquer ce que l'on appelle dans le meilleur des cas des légendes urbaines et dans d'autres cas des délires conspirationnistes comme par exemple le Bigfoot, le Frogman dont je vous parlais dans ma vidéo de la semaine dernière, le Chupacabra, le Mothman, hein ? Parce que en vérité, et si ces êtres mi-hommes, mi-animaux, ces manifestations, je ne sais pas comment le dire, ces phénomènes inexpliqués, etc., si finalement ce n'était pas que des expériences de laboratoire qui auraient réussi à s'enfuir. Pourquoi pas ? Parce que vous allez voir, ce n'est pas fini. Apparemment, le niveau 7, c'est encore pire. Des rangées et des rangées de mélanges humains conservés dans le froid. De grands containers de stockage d'embryons humains à différents stades de développement. Et d'embryons humains, mais d'embryons, on va dire aussi, indéfinissables. Des personnes en cage, généralement sous sédatifs et droguées, qui parfois crient et implorent de l'aide. Grâce à un implant, selon ce que je vous dis là, c'est toujours selon les témoignages qui ont été répertoriés par des chercheurs alternatifs, on va le dire comme ça, de personnes qui auraient travaillé là-bas. Ce serait grâce à un implant, tiens, que ces personnes subissent ces expériences sans riposte. Une fois l'expérience terminée, le sujet ne se souviendrait plus de rien. Juste leur regard trahirait ce qu'ils en ont enduré, ainsi qu'un sourire constant et stupide. Les scientifiques qui ont finalement accepté de témoigner ont expliqué qu'au départ, on leur a dit qu'il s'agissait d'imbéciles incurables. Je ne sais pas si c'est correct de les appeler d'imbéciles incurables, enfin des malades, des aliénés, parce que c'est comme ça qu'on dit en français. Des fois, je suis désolée, c'est des termes approximatifs, j'en ai bien conscience, mais voilà. En fait, des fous, des personnes malades mentalement, soumis à des tests médicamenteux très risqués, qui avaient accepté pour guérir leur folie de se soumettre à ces expériences. Qu'il s'agit en fait de recherches top secrètes, mais que tout a été fait avec l'accord de tous les partis. Au début, la plupart des scientifiques y ont cru. Mais c'est en 1978 que certains des travailleurs ont découvert la vérité. C'est très flou sur du pourquoi, du comment. Comment c'est arrivé, comment cette illumination est arrivée. Certains parlent d'un conflit, d'autres d'une mutinerie, d'autres d'informations en interne qui auraient fuité. Je ne vais pas vous donner l'une ou l'autre des versions parce que je n'ai pas trouvé qu'il y en avait une qui valait plus le détour que l'autre. Mais quoi qu'il en soit, en 1978, c'est là qu'il y a eu un événement qui fait que les gens qui travaillaient à l'intérieur de la base de Dulce n'ont plus pu nier l'évidence. Je sais, on est d'accord, hein, je suis d'accord avec vous, ça a l'air complètement dingue. Et encore, je vous le dis, j'ai fait le choix, pour ne pas embrouiller de trop les esprits, de faire l'impasse dans ce sujet sur tout ce qui concerne les extraterrestres, les petits gris, les reptiliens. Un peu parce que je pense que c'est fait pour noyer le poisson et tuer la crédibilité du sujet. Mais aussi parce que c'est trop touchy, que je suis tombée sur des théories qui voudraient qu'au final, même les reptiliens, ce soit issus de manipulations génétiques et absolument de personnes d'autres planètes, etc., comme il est entendu, le truc des reptiliens, c'est entendu pour la majorité. Je me suis dit que quitte à développer ça, il faudrait que je fasse un sujet bien distinct, parce que vraiment, il y a trop de choses à dire et que j'ai honnêtement pas fait assez de recherches autour de ces sujets pour avoir un avis ferme et définitif. J'ai donc pris le parti de scinder ce sujet en deux parties. Car en plus, étonnamment, alors que de base,
Ce n'était absolument pas, je vous l'ai dit, le sujet que j'avais prévu pour ce week-end. Je voulais un sujet un peu plus connecté à l'actualité avec peut-être une note d'espoir, mais que ça a été trop difficile. Je me suis laissée embarquer car, synchronicité oblige, il était donc connecté, je vous le disais en introduction, avec un livre que je dévore en ce moment et qui, vous allez le voir, non seulement confirmerait l'existence de ces expériences d'hybrides, mais qui démontre que cela remonterait à bien plus loin que ce que l'on pense. Voire qu'éventuellement, on est en train, peut-être éventuellement, c'est ma théorie, de reproduire un truc déjà testé par d'anciennes civilisations. Alors je sais qu'aujourd'hui les chimères et tout ça c'est un peu plus de notoriété publique parce que des pays comme la Chine, des pays comme les États-Unis ont avoué qu'effectivement il y avait des expériences qui étaient menées sur des embryons d'animaux, etc. etc. Donc ce sujet, je l'aurais fait il y a 3 ans en arrière, on m'aurait dit, allez, 4 ans en arrière, on m'aurait dit que c'est une malade. Aujourd'hui on va dire, mais attends, il n'y a rien de neuf, on sait que des expériences sur des créations hybrides, des chimères, etc. sont menées, sauf que vous vous doutez bien que ce qui est fait officiellement est à 1000 lieues de ce qui est fait officieusement. Et que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être ce qui avait lieu il y a 50 ans quand ils ont commencé, et qu'ils en sont arrivés à un point qu'on est incapable même d'imaginer. Bref, quoi qu'il en soit, à travers ma lecture du moment, j'ai découvert le Black Obelisk of Shalmaneser III, qui est l'un des artefacts, les amis, les plus intrigants de l'empire néo-assyrien. Découvert par Sir Austin Henry Layard en 1846, il est l'un des 2 obélisques néo-assyriens complets découverts à ce jour. Ce monument parfaitement préservé commémore les 31 ans du règne du roi Shalmaneser III. Je ne suis pas sûre de la prononciation, je vous ai écrit le mot, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Qui a régné, ce roi, avant Jésus-Christ. Il a été érigé en tant que monument public en 825 avant Jésus-Christ, sur la place centrale de Nimroud, l'ancienne Kala ou Kalu antique, située dans l'Irak moderne. Après sa découverte, l'objet a été transféré au British Museum, où il se trouve toujours. L'obélisque à 4 faces est en calcaire noir et mesure un peu moins de 2 mètres de hauteur. Il comporte 5 panneaux disposés verticalement de chaque côté, totalisant ainsi 20 panneaux. Il représente 5 rois soumis différents, apportant des tributs et se prosternant devant le roi Shalmaneser. Les tributs de chaque roi soumis occupent 4 panneaux autour du monument et sont décrits par une écriture cunéiforme au-dessus d'eux. Les éléments vraiment intrigants de cet obélisque se trouvent sur le 3e panneau en partant du haut qui représente les tributs apportés par un dirigeant non nommé de Musri. Auparavant, les historiens pensaient que Musri était un royaume dans le nord de l'Irak, mais il est maintenant accepté que c'était un terme néo-assyrien pour l'Égypte. Ainsi, en y regardant de plus près, on peut constater que ce roi soumis d'Égypte, attention, il ne s'agit pas nécessairement d'un pharaon, hein, a apporté comme tribut à Shalmaneser III, quelque part en plus autour du 4e siècle avant Jésus-Christ, des êtres hybrides, humains, animaux, représentés aux côtés d'autres animaux facilement reconnaissables. Regardez, les hybrides sont plus petits que les humains et sont tenus en laisse comme des animaux domestiques. Ce panneau montre clairement une paire d'êtres hybrides humains-animaux tenus en laisse. Les 2 créatures ont une tête et des bras semblables à ceux d'un humain, mais leurs membres postérieurs sont semblables à ceux d'un animal et ils ont également une queue. Les créatures semblent capables de se tenir debout ou de marcher sur leurs membres postérieurs. On pourrait d'ailleurs penser qu'elle ressemble à une version miniature d'un sphinx, ce qui bien sûr est une pensée, vous en conviendrez, assez surprenante, puisqu'on nous a appris, depuis aussi longtemps que l'humanité s'en souvienne, que le sphinx est une créature mythologique, que ça n'a pas existé, que c'est du délire artistique égyptien, c'est une performance artistique, ils adorent. Mais la vérité, c'est que ce panneau montre 3 hybrides humains-animaux, dont 2 sont tenus
par des cordes. Ces hybrides semblent assez à l'aise en marchant sur leurs membres postérieurs et sont très semblables à des humains, à l'exception de leur longue queue. L'un des hybrides est perché sur l'épaule d'un homme, ce qui indique qu'ils ont une attitude amicale envers les humains et qu'ils peuvent être dressés. D'ailleurs, on remarquera qu'ils ressemblent aux satyres de l'art grec et aux vanaras des légendes indiennes, ce qui nous fait à nouveau nous demander comment des êtres prétendument mythiques auraient pu être offerts en tribut par un roi d'Égypte au 4e siècle avant Jésus-Christ. On est d'accord que ça n'a pas de sens. Il est important de se rappeler que le Black Obelisk of Shalmaneser III était un monument royal destiné à enregistrer les divers tributs que le roi Shalmaneser avait reçus pendant son règne. Il a probablement été exécuté par des scribes royaux, travaillant main dans la main avec les sculpteurs royaux hautement qualifiés. Ce n'était pas l'endroit où le sculpteur pourrait se livrer à des fantaisies et utiliser des symboles religieux et des dispositifs métaphoriques. Un sculpteur ne pouvait pas se permettre d'attacher une queue quelconque à un prisonnier simplement parce qu'il n'aimait pas, je sais pas, le prisonnier en question ou la condition de prisonnier. Les rois néo-assyriens n'étaient pas connus pour leur sens de l'humour et toute déviation ou blague aurait été sévèrement réprimandée. Je ne veux absolument pas attendre la version que c'était peut-être un point de vue artistique. Non, ça ne tient pas. Pas à cette époque, pas dans ces conditions, et pas quand c'est des esclaves qui exécutaient les œuvres qu'on leur commandait. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que si un monument royal montre des êtres hybrides, humains, animaux, reçus en tant que tribu, en tant que cadeau, il est très probable qu'il l'était réellement. Okay? Et c'est là que je me suis dit que du coup, la base de Dulce, etc., ben, en fait, c'est du déjà-vu. Et c'est là que c'est étrange, parce que vous allez voir, attendez, ce n'est pas tout. En fait, il existe des preuves documentées, oui, que des êtres hybrides, bizarres, humains, animaux, existaient dans certaines parties du monde jusqu'à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ. L'un des récits intéressants a été écrit par un médecin grec appelé Cétias, qui a servi en tant que médecin à la cour du roi Artaxerxès II de Perse. Il a écrit un livre appelé Indica, qui était basé sur diverses histoires apportées à la cour de Perse par des visiteurs et des voyageurs venant d'Inde et d'autres parties du monde. Je vous jure, c'est hallucinant quand on le lit, je vous le dis, c'est fascinant. Il décrit que par exemple d'Éthiopie, il a vu, on lui a rapporté qu'il existait un animal qui s'appelle la mantichore. Il a trois rangées de dents qui s'emboîtent les unes dans les autres comme celles d'un peigne. Le visage et les oreilles d'un homme et des yeux azur. Il est de couleur de sang, a le corps du lion et une queue se terminant par un dard comme celle du scorpion. Sa voix ressemble à l'union du son de la flûte et de la trompette. Il est d'une vitesse excessive et il aime particulièrement la chair humaine. Cétias a également écrit sur des animaux hybrides similaires trouvés dans des régions montagneuses en Inde, identifiés comme des satyres, dans les montagnes à l'est de l'Inde. C'est un animal extrêmement rapide, allant parfois à quatre pattes et parfois se tenant debout en courant, comme les êtres humains. Le satyre, dans la description telle que Cétias l'a réécrit, pourrait bien se référer au Mandé-Burung, qui est, si vous voulez, l'équivalent du Yeti qui vivrait dans les montagnes de l'est de l'Inde, dans l'état de Meghalaya. Ce qu'il ne décrit certainement pas, et ça c'est pareil, je ne veux pas le lire en commentaire, c'est un singe, l'animal que tout le monde connaît bien sûr, et qui ne susciterait aucun intérêt. C'est pas un malade, Cétias, il était docteur, il savait ce qu'il écrivait, bref. Les contes de Cétias indiquent que des hybrides humains-animaux comme ceux représentés sur le Black Obelisk de Shalmaneser III ont peut-être existé en Éthiopie et en Inde vers le 5e siècle avant Jésus-Christ et par conséquent auraient pu être offerts en tribut par un roi d'Égypte au 4e siècle avant Jésus-Christ. Un autre incident intéressant a été aussi enregistré par l'historien grec Plutarque au 2e siècle de notre ère.
Plutarque, a écrit dans la vie de Sulla que les soldats du général romain Sulla avaient capturé un satyre endormi lors d'une campagne militaire en Grèce en 89 avant Jésus-Christ. Les hommes de Sulla ont amené le satyre devant lui et il a tenté de l'interroger. Mais il a parlé dans un son inintelligible qui était un mélange entre le hennissement d'un cheval et le bêlement d'une chèvre. Là, je vous ai cité ces deux personnes parce qu'il s'agit quand même d'un docteur et d'un historien. Donc on n'est pas sur des artistes, on n'est pas sur des poètes, on n'est pas sur des troubadours. On n'est pas sur des gens, des artistes mystiques qui auraient consommé je ne sais quelle substance pour un petit peu halluciner. Non, c'est censé être des écrits historiques, tu vois, au même titre que nos manuels scolaires. Donc, d'après les récits comme ceux-ci, il semble bien que les satyres ne soient pas des créatures imaginaires, comme on le croit généralement, mais des êtres hybrides qui auraient vécu jusqu'au début de l'ère chrétienne et qui ont disparu peu de temps après, à mesure soit que les conditions environnementales continuaient à évoluer, soit contre leur volonté, mais dans un plan orchestré, dans les bases, etc., etc. Parce que la vérité, des millions d'animaux ont disparu avec le temps aussi, hein, ça peut être tout à fait naturel. Alors pourquoi pas les sphinx, pourquoi pas les satyres, et pourquoi pas tout un tas d'animaux qu'aujourd'hui on tient, parce qu'on nous l'a inculqué comme ça, pour des êtres qui viendraient d'une imagination, alors qu'au final, qu'est-ce qui leur permet de faire le distinguo, en vérité. Ou encore, comme je vous le dis, ils ne sont pas carrément pas éteints, ils se sont retirés dans les grottes des montagnes, des grottes souterraines, de leur gré, de leur plein gré, pas de leur plein gré, ça j'ai pas l'explication, mais que de temps en temps ils s'échappent, et c'est pour ça qu'on a des animaux mutilés de manière incompréhensible, que l'on a des personnes qui disent avoir aperçu des chupacabras, qui disent avoir aperçu des Bigfoot, qui disent avoir aperçu des Mothman, des Frogman. Du coup, ça deviendrait, tout ceci deviendrait un petit... On aurait une explication, quoi. À la place d'accuser tous ces gens d'être fous ou tous ces gens d'être des originaux. Peut-être qu'en fait, ils attendent simplement, cachés, que des conditions deviennent favorables à leur émergence, qu'on soit prêt du style. Oui, parce que la vraie question, s'il faut, tous ces Mothman, en fait, ils auraient réellement vécu dans le passé et aujourd'hui, ils seraient victimes de leur évolution. Donc ça ne représente plus vraiment les satyres comme on les a vus dans les mythes et les légendes, mais en vérité, c'est eux, mais qui ont évolué. Nous savons, quoi qu'il en soit, en tout cas, quelque chose est certain, que l'ADN humain n'est pas compatible avec celui des animaux. Ce qui signifie, par contre, ça c'est un fait, que nous pouvons pratiquement exclure dans cette théorie toute implication des humains dans cette affaire. Donc je me suis demandé, dans cet excellent livre, que disent donc les textes anciens et les traditions à ce sujet ? En ce qui concerne les satyres, beaucoup plus d'informations sont disponibles, ce qui laisse entendre, parce que vraiment c'est étonnant quand on se penche dessus, qu'une expérience génétiquement menée par des dieux, quelque temps avant 7000 ans avant Jésus-Christ, aurait été menée afin de produire ces étranges créatures hybrides. N'oublions pas que le terme « dieu » peut représenter Dieu tel que nous l'entendons aujourd'hui au XXIe siècle, à savoir une entité religieuse. Je sais que ça ne va pas passer de la manière dont je le dis, mais vous comprenez où je veux en venir. Eux, Dieu, c'était tout ce qui sortait un petit peu de l'ordinaire et qui était... n'oublions pas que certains des indigènes ont cru que l'homme blanc était un dieu. Donc, quand je dis dieu, ça, s'il faut, c'était peut-être des êtres avancés, une population avancée, d'accord ? Qui auraient fait des manipulations génétiques, soit venues d'ailleurs, soit venues d'espaces interdimensionnels, tout est possible. Mais quoi qu'il en soit, il semblerait que les satyres, selon les historiens et les spécialistes qui se sont penchés sur le sujet, seraient bel et bien issus d'une manipulation génétique. Dans l'art grec, les satyres étaient représentés avec les oreilles et la queue d'un cheval, mais leur visage était semblable à celui des humains et ils portaient de longues barbes. En fait, à l'exception de leurs oreilles et de leur queue, tout chez les satyres est complètement semblable à celui de l'être humain. Les satyres de l'art grec correspondent clairement aux Vanaras des légendes indiennes qui ont accompagné Rama lors de ses campagnes militaires. Les Vanaras avaient des visages de singes couverts de barbe, des corps poilus et une longue queue. Mais ils marchaient debout comme des êtres humains,
et étaient similaires aux humains dans leur langage et leurs coutumes. Le plus puissant des Vanara était Hanuman. Cela nous rappelle, nous amène à une grande question. Comment cette étrange race des Vanara a-t-elle vu le jour ? Encore une fois, il s'agit d'histoire. Si on en croit les textes du Ramanaya, les dieux, les sages et d'autres êtres célestes se sont accouplés avec les animaux des forêts pour créer des progénitures puissantes capables d'aider Rama dans sa lutte avec les Rakshasas. C'est-à-dire les Rakshasas, les géants, encore des géants, dans un autre pays, de partout il y a des géants. Mais on est d'accord que tout ça, en soi, si on passe le conditionnement de masse qui voudrait nous faire croire que c'est du délire, que ça a du sens. Parce que quant à savoir qui étaient ces dieux, je ne vais pas spéculer ici, parce que déjà la vidéo va faire 6 heures et que je suis fatiguée. Mais je ne vais quand même pas m'empêcher de dire que les contes de la plupart des cultures autochtones les décrivent comme des êtres humanoïdes d'une grande puissance qui sont venus sur Terre dans des temps très anciens, le lieu le plus probable de leur origine étant l'amas d'étoiles des Pléiades. Et est-ce que ce sont ces dieux qui ont réellement engendré les animaux de la forêt dans le but de créer des Vanaras ou ont-ils utilisé des techniques avancées de manipulation génétique ? Selon moi, probablement la dernière option, puisque j'ai corrélé ce sujet à celui de la base de Dulce avec les manipulations génétiques. Parce que moi, je crois que c'est la vraie raison pour laquelle tout ça s'est obscurci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tout est déjà écrit ? Est-ce que tout cela s'est déjà produit ? Est-ce qu'on est en train de reproduire un truc qui a fait disparaître les civilisations anciennes et qui très certainement va nous faire disparaître aussi ? J'ai trouvé ça complètement dingue. J'espère que ce sujet vous aura fasciné autant que moi. Est-ce que vous voulez que je continue à creuser ? Est-ce que vous voulez finalement que je creuse le côté reptilien et on fait la balance et on décide qu'est-ce qui est le plus crédible ? Vous me direz en commentaire, les amis. Encore une fois, désolé que ce ne soit pas un sujet d'actualité, mais j'avais envie que tous ensemble on se vide la tête. Et je trouve que ce sujet nous donne des pistes de réflexion qui sont on ne peut plus intéressantes. Avant de vous quitter, je voudrais tout d'abord remercier Origine Animale. Vous savez, je suis la marraine et je suis fan de ce qu'elles font, qui me permet de vous faire bénéficier aujourd'hui d'un code promo sur tout achat de compléments. Je ne sais pas si vous allez les voir, je ne suis pas bonne à la caméra, je ne sais pas faire des trucs de point de vue, de je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas si vous le voyez. C'est des compléments alimentaires au top du top pour nos amis les chats et les chiens. Alors testez, je vous le dis, et approuvé par Madame Duchesse, qui n'a pas show up aujourd'hui parce que justement, elle s'est gavée. Et qu'avec son petit estomac bien repu, elle est montée se coucher, elle a kiffé. Ces friandises sont 100% naturelles, sont idéales pour récompenser votre poilu préféré de façon saine et gourmande. Ils sont hypoallergéniques, sans céréales, sans additifs, arômes ou colorants artificiels, riches en protéines, ce qui est essentiel pour la santé des muscles et des os, faibles en matière grasse, ce qui les rend adaptés aux animaux de compagnie en surpoids et souffrant d'obésité. Facile à digérer, ils ne provoquent pas de ballonnement ou de gaz. Et enfin, ils ont une saveur délicieuse que tous les chiens et chats adorent. Moi, la mienne, elle est hyper picky, elle est compliquée. En plus, elle est un peu américanisée. Donc, j'ai l'impression que des fois, elle aime bien les trucs. En plus, elle est accro au plastique. C'est problématique. Donc, c'est très compliqué. Et pourtant, elle a kiffé. Pour les chiens, il faut savoir qu'ils peuvent aider à maintenir une masse musculaire maigre et donc à améliorer leur physique. Et pour les chats, ils peuvent aider à maintenir une bonne santé digestive et prévenir les carences en protéines. Je recommande vraiment, n'hésitez pas, si vous habitez en Europe, parce que pour l'instant, ça n'est livré qu'en Europe, à utiliser mon code MAZIKIN10 jusqu'au 5 novembre pour bénéficier de moins 10%. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description. Aussi, il y a un truc, alors je vais être très honnête, qui est sensationnel, mais c'est compliqué pour Duchesse pour qu'elle le prenne, c'est ça. Alors ça, c'est génial. Il faut gratter l'écorce, vous voyez ? Il faut gratter l'écorce et en fait, ils grignotent, ils font leurs dents, très bon pour leurs dents, très bon pour leur digestion, pour avoir la laine fraîche le matin. Bon, Duchesse a été très compliqué, j'essaie quand même, je lâche pas l'affaire parce que c'est tellement bon
pour plein de choses que je voudrais bien qu'elle arrive à grignoter ça, mieux qu'à essayer de trouver des morceaux de plastique à manger. Mais il y a ça aussi, chez Origine Animale. Voilà les amis, pareil, je vous laisse toutes les informations dans ma barre de description. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je pense que la semaine prochaine, comme ma vidéo sortira le 29 octobre, je vais faire un petit truc un peu genre dans l'esprit Halloween, histoire d'être dans l'algorithme. On verra bien, je vous promets rien, mais en tout cas, on se revoit rapidement, on se revoit dimanche. N'oubliez pas, je suis toujours Shadowban, on like à fond, on commente, on partage, les petits nouveaux, on s'abonne, parce que plus la communauté grandit, plus on est fort. Rejoignez-moi sur Instagram, je suis très active en story, et en attendant que l'on se retrouve, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert, et surtout, surtout les amis, stay safe.